Alors bonjour, je m'appelle Nathalie Tedeschi. Je suis responsable commerciale au sein des établissements d'enseignement supérieur et des CFA au sein de Nathan Compétences Professionnelles. Aujourd'hui, nous proposons en fait notre mission, c'est de pouvoir à la fois accompagner les établissements dans l'acquisition de ressources digitales pour la formation et également de pouvoir les accompagner dans la création de ressources sur mesure et dans la formation des utilisateurs des ressources, à savoir les responsables pédagogiques, les apprenants et bien entendu les formateurs qui vont avoir besoin de pouvoir s'approprier les ressources pour les implémenter dans leur scénario pédagogique. Alors des actualités, on en a plusieurs. On a notamment le fait que nous ayons fusionné avec la société EduClever. Du coup, on a aujourd'hui la possibilité de proposer un catalogue de solutions beaucoup plus large. Nous proposons également des solutions immersives sur des compétences très très ciblées, par exemple en management, en QVCT RSE, en cybersécurité via notre marque Design. Et maintenant, on propose également tout ce qui va être monté en compétences en orthographe et certification avec le produit orthodidacte d'EduClever. Ça, c'est pour la première actualité. Ensuite, au sein de notre catalogue aujourd'hui, on a développé un module pour pouvoir faire monter en compétences les jeunes dans tout ce qui est intégration en entreprise, en leur proposant des modules de formation sur les soft skills. On va leur apprendre notamment à s'intégrer en entreprise, à communiquer efficacement, à travailler en autonomie et à travailler en mode collaboratif, pour justement qu'ils puissent se sentir plus à l'aise dans leur prise de fonction. Et puis, ça permet aussi pour les établissements qui utilisent cette ressource d'avoir un gage de qualité auprès des entreprises où elles placent justement leurs apprenants, puisque le fait de passer par ce module de formation leur permet déjà d'avoir un premier vernis, une première référence, un premier guide de bonne pratique sur ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire en entrant en entreprise. Alors, un petit mot, il y aurait plein de petits mots. L'IA aujourd'hui peut être utilisée chez nous de différentes façons et on étudie justement le fait d'utiliser l'IA à la fois pour produire des contenus, les produire de manière plus rapide, les produire en multilingue parce qu'on a aussi des établissements qui sont à l'international et puis surtout de pouvoir faire de l'adaptive learning et de proposer des programmes qui soient de plus en plus personnalisés aux étudiants.